Et voici Papa Pig. Peppa. Ma cousine Chloé. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé. Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Tantine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et Georges. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour Georges. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Georges. Tu ne peux pas m'attraper. Georges, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider Georges. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Hein, c'est vrai, Georges? C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste, ça a duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. Jouer à un autre jeu? Si, mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive. Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Même les grandes filles.